Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu vas accomplir ensemble avec nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur. Seigneur, au travers du pouvoir que tu m'as conféré, tout ce qui n'est pas à toi soit calme. Seul règne, Seigneur. Je t'ai prié, Dieu. Aide-moi. Parce que ce travail, je le fais aujourd'hui, j'en rendrai compte chez toi. Aide-moi, Seigneur, que je puisse le faire comme tu le veux et que ce peuple soit consolé. Au nom de Jésus-Christ, que la louange te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce que quelqu'un peut entendre? Vous allez m'excuser, je viens d'un grand travail il y a 10 semaines, je suis musicien. Je vais terminer le dimanche. Et après, je suis venu directement. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. C'est vrai, j'ai eu une forte délégation. Lui, c'est le pasteur de notre paroisse de Kinshasa. Il nous a dit, même au deuxième jour de notre service, je vais aussi participer. Et il est venu au milieu de nous. Que le Seigneur soit loué. Il y a un don. J'aimerais. Ça sera possible que je fasse passer ma fille qu'elle preste. Frébéry, aide-moi avec le son de mon micro. Approchez. Accompagnez-la. Elle était dans la maison, c'est pour sa première fois qu'elle sort aussi. Je l'ai demandé de m'accompagner aussi. Est-ce que amen pour Yahweh, o
Bozwanga Bosika, Nangolo Neo. Ola Tisaka, Elamba, Kaka Nangolo. Olonge Langa Bizumba, Kaka Nangolo. Azalola. Allons, police,
Et nous allons passer à d'autres étapes après. Aujourd'hui, je suis maintenant à l'aise. Amen. L'œuvre de la croix nous a réunis. Ce que Jésus a accompli, c'est ce qui a fait de nous ici comme ça. J'en ai dit assez. Il y a que c'est mon gouache qui te coaboule. Même cette organisation, toi personnellement, tu as ce que tu dois avoir. Ce qui va rester comme souvenir de ta vie. Et mon souhait, la dimension dans laquelle je t'ai retrouvé aujourd'hui, demain, que tu passes à une autre dimension. Inimawazo ya Mungu. Ini mapenzi ya Mungu. Yohane sura 14 mstari ya 12. Mpatie kumchungaji Francis. C'est lui qui est là à la paroisse de Wabora sur l'avenir au Kariasa. Approchez. Jean 14. Et tu te nous es chimiane dans la Mungu. Nous lisons le 12e verset au nom de Jésus. Jean chapitre 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons parlé de deux dimensions. Parce que la Bible parle de Jésus, trait d'union, Christ. Et comme il y a trait d'union, nous avons deux noms. Jésus et Christ.
Et nous avons dit que chaque dimension a ses œuvres manifestées. Donc Jésus-Christ incarne deux dimensions. Première dimension, en tant que Jésus, c'est l'imitation de Dieu par rapport à la mission qu'il devrait accomplir sur cette terre. Jésus veut dire celui qui sauve ou qui délivre. Nous avons lu Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23. Nous avons dit que en tant que Jésus, Elohim est venu habiter dans un corps. C'est pourquoi on nous parle d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Alors parmi nous n'est pas un esprit, mais dans la chair, dans un corps. Emmanuel, Dieu est venu habiter avec nous sur cette terre. Pour confirmer cela, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et pour mieux comprendre ce que nous avons dit, nous avons dit ceci: nous portons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit dans un corps. Hier j'ai insisté, le Saint-Esprit en nous. Dans Joël, la Bible dit le Saint-Esprit sur. Et la Bible dit le Saint-Esprit en. Il y a une différence entre le Saint-Esprit en et le Saint-Esprit sur. Il y a de ceux-là qui font l'œuvre de Dieu avec le Saint-Esprit sur. Il y a de ceux-là qui font l'œuvre de Dieu avec l'esprit en. Et je dis ceci, que l'esprit en, c'est-à-dire l'homme est conduit par le Saint-Esprit. Il fait la volonté de Dieu. Ma pensée y'a que aina ko. Sa volonté n'y est plus. Aujourd'hui nous avons des prophètes qui prophétisent, mais eux-mêmes ne cherchent pas, ne marchent pas dans la volonté de Dieu. L'esprit sûr, c'est un problème de caractère. Nous devons servir Dieu avec le caractère de Dieu, pas avec notre caractère. C'est pourquoi je dis, on peut servir Dieu sans Dieu, c'est-à-dire sans le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très mauvais. Munayua, savez, siku ya mwisho, le dernier jour, kwanzia kwangu, en commençant par moi-même, moi qui vous prêche, tout à quoi jugé sévèrement, sans pitié, sans pitié. C'est là que j'ai la peur de ce travail. Et qui la siku? Et chaque jour, ni qu'on a rappelé conscience. Ya. Je rappelle à ma propre conscience. Ikazi mina pasha kuifanya muzuri. Cette œuvre, je dois bien parce que la faire. Un jour, quand ici kumoja, je rendrai compte. Tarudisha et sabu. Je ne vais pas m'atteler beaucoup ici parce que j'ai quelque chose à vous donner. Deuxième dimension, c'est Christ. Le Christ. Christ, Christ, c'est le Seigneur lui-même. Nous avons lu Luc, chapitre 2, versets 8 à 11. J'ai dit qu'il y a une différence, selon Luc, entre un Seigneur et le Seigneur. Un Seigneur, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne définit pas bien. Mais le Seigneur, c'est quelqu'un qu'on connaît parfaitement bien. On n'a pas de doute sur lui, c'est-à-dire sur sa personne et sur son identité. 2 Corinthiens 3, 17-18, Jean 4, 24. Et là j'ai dit que le Saint-Esprit
plutôt le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous allez m'excuser, ça c'est un thème doctrinal. Tu n'as pas chaque fois dans pourquoi prier dans l'écriture. On doit y aller en appuyant cela par les Saintes Écritures. Vous allez me pardonner pour ça. Je dis que Jésus, c'est la maison ou le corps dans lequel Dieu a habité. Donc le corps que Dieu a habité, c'est ce que nous appelons Jésus. Et il a habité ce corps-là pendant 33 ans sur cette terre. Et c'était pourquoi? Pour accomplir sa mission de sauver l'homme à la croix. Il ne devrait pas venir comme esprit. Il ne devrait pas venir comme Christ seulement. Il devait prendre un corps. Avant fique comme ça. Là-bas, avant qu'il n'arrive à la croix, il a enseigné, il a montré la voie à suivre. Parce que Moutou, parce que l'homme, arrêté engana na Mungu, s'était séparé de Dieu. Arifundisha, il a enseigné, anafundisha, et il a enseigné, anatupatia mufano, il nous a donné les modèles. Et jusqu'à ce que, n'apakapale, alenda kufika kumusalaba. Il est arrivé à la croix. Kumusalaba, à la croix, il fallait le corps. Il bidishua mwili. Parce qu'avec Christ, na Christu, il devrait être limité. Alipasha kuwa na mipaka. Il a pris ce corps-là. Alenda nayo kumusalaba. C'était pour verser le sang. Damu aina esprit. Le sang, c'est pas un esprit. Damu, il fallait kuye ndani ya corps. Il fallait que ça se tu imwangike. Afin que ça coule. Pour que we na mi. Pour que vous et moi. Tu kuye sauvé. Qu'on soit sauvé. Jo le kazi rifalika. C'est l'œuvre qui a été accomplie. Kisha ile. Et après cela, il ne s'est pas séparé avec ce corps-là. Ashikwachane na ile mwili. Il est mort avec. Wakati banakuwa kufungu la kaburi. Lorsqu'on est venu ouvrir, on a trouvé que les habits. Lui-même, il n'était pas là. Et Christ. Et Jésus. Na Yesu. Abakukuyem. Il n'était pas là. Banakuta pakamui. Ils ont trouvé Manguo. Des linges, des habits. Il est descendu au séjour des morts. Comme Jésus Christ. Avec son corps et Christ à l'intérieur. Il a prêché là-bas. Il a récupéré la clé. En tant que Jésus-Christ, il est sorti victorieux avec la clé. En tant que Jésus-Christ. Maintenant, en partant, j'ai dit ceci. Il est descendu comme Christ. Quand il va rentrer, il rentre comme Jésus-Christ. Quand il est venu comme Christ, en passant par Marie, il a pris un corps. C'est ce qu'il a fonctionné. En allant ou en rentrant, il n'a pas laissé ce corps. C'est pourquoi Dieu n'a mis ici. C'est pourquoi hier j'ai dit ici, lorsqu'il était à la croix, il n'a pas rendu l'âme. Il a remis seulement l'esprit entre les mains de son père. Il n'a pas rendu l'âme. Qui est ce Dieu-là? C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est une école pour ses fils. Jésus-Christ, c'est une école. Dieu a roudillé. Parce que moi, quand il a Rishuka, il est descendu comme un esprit. Il est descendu comme Christ. Parmi les anges, il est descendu inaperçu. Il a descendu qui a beaucoup il n'était pas au courant. Il a donné un ordre. Le ciel était fermé. C'est pourquoi Dieu commande. Moufal ma Perse. Le roi des Perses. Arweza kufanya yote aripenda. Il pouvait tout faire selon son vouloir. Tu as bloqué prière. Il a bloqué ta prière. Il a donné ordre. Il a donné un ordre. Que milango. Que le porte. Ya milele. Éternel. Il funguke. S'ouvre. Ba malaika bana shanga. Et les anges étaient étonnés. Ni nani ule muduria. Qui est celui-là dans le monde? Et qu'on a l'état ordre. Il est en train de donner pour que les portes éternelles s'ouvrent. Qui donne ces ordres-là? Nani analeta ile hakizo.
Et nous tous, nous avons dit que ces portes-là s'ouvrent. Pourquoi? Parce que le roi de gloire veut faire son entrée. Milango na funguka. Dès lors, bingu na tulia. Aya fungiwaka. Bingu iko wazi. Bingu iko wazi. Bingu iko wazi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Quelqu'un peut acclamer pour ce Jésus-Christ, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais parler de deux dimensions. Que tu m'aides. Les deux dimensions de Jésus-Christ. Toi qui écris, écris ça. Et je suis dans la première dimension de Jésus-Christ. Dans la première dimension, ici je vais avec toi lentement. Dans la première dimension, nous parlons de Jésus en tant qu'homme. Ici, nous devons savoir et comprendre. En tant que Jésus-Christ, il est 100% homme. 100% Dieu. En tant qu'homme, c'est-à-dire Jésus, il est l'image d'Adam. Adam qui veut dire homme. C'est pourquoi vous verrez dans la généalogie de Jésus, on considère Jésus comme fils d'Adam et Adam fils de Dieu. Papa, lisez Luc chapitre 3 verset 23 à 38. Merci Saint-Esprit. Merci. Que dit la parole de Dieu? Luc chapitre 3 23 à 38. C'est un peu long. Sois un peu rapide. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Matthathias, fils de Séméi, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Neri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kossam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaï, fils de Jobed, fils de Bouz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Parès, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Seruk, fils de Ragaï, fils de Palek, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malaléel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils de Dieu. Amen. Notez bien. Dans la généalogie de Luc que nous venons de lire, Jésus en tant qu'homme, il est venu non de la lignée de Caïn, mais de la lignée de Seth. Que Dieu te fasse grâce à comprendre cet enseignement. De la lignée de Seth. Pourquoi? Pour relever l'homme qui était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, qui était tombé par Adam
dans le jardin d'Éden. Tomber veut dire mort. Selon Genèse, chapitre 4, versets 25 à 26. Et Genèse, chapitre 5, versets 1 à 4. Que dit la Bible dans Genèse 4, 25 à 26? Genèse 4, 25 à 26. Adam connut encore sa femme. Oui. Elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors. Amen. 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 Donc, Seth. C'est le premier homme sur cette terre qui avait invoqué Dieu. Où c'est lui notre père de la prière. Seth. Son nom c'est Seth. Adam na Eve. Adam et Eve. Abakombak. Ils n'avaient pas prié. Vous voyez le fait de ne pas prier. Kama kuya, et s'il y a des tentations, tu vas échouer. C'est Seth, ni Seth qui va commencer la prière. Où l'alliance à mambo à maombi sur cette terre. Va y tenir. Amen. Amen. Vous avez déjà lu Genèse 5. 1 à 3. Je t'amène quelque part. Allons-y. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Jusqu'à 3. C'est passé. Jusqu'à 3. Qu'est-ce que nous pouvons noter ici? Comment en tant qu'homme nous devons vivre la vie de Dieu sur cette terre? Vivre la vie de Dieu sur cette terre. Allons dans Romains, chapitre 5, versets 12 à 14. Romains 5, 12 à 14. Ici, la Bible nous révèle quelque chose. Allons-y. Nous prenons Romains 5, 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, oui, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Jusqu'à 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, oui, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, oui, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Amen. La Bible nous révèle que le premier Adam, Adam selon Romains, était la figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Que dit la parole de Dieu? 15, oui, 45. Vous allez m'excuser. Je vais parler avec les Écritures. C'est pourquoi il est écrit. Oui. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ok. Notez bien. Le premier Adam, Adam, c'est-à-dire homme, est devenu une âme vivante. Et lorsqu'il est tombé en mangeant les fruits du jardin, de l'arbre, au sujet duquel Dieu lui avait donné cet ordre: les jours où tu y mangeras, tu mourras. Ici j'insiste, le péché est plus mauvais. J'insiste encore que le péché est plus mauvais. Quand tu pèches, tu perds la présence de Dieu. Quand tu pèches, tu perds la gloire de Dieu. Parce que la gloire, c'est sa présence.
il a perdu l'homme spirituel. Et Jésus-Christ, en tant qu'homme, il est venu pour ressusciter cet homme spirituel qui était mort dans l'homme. Celui qui était mort dans l'homme, Jésus est venu pour le ressusciter. Ici, par Jésus, Dieu est venu pour créer un peuple nouveau, pour créer un homme nouveau qui sera à son image et à sa ressemblance. Amen. Qui doivent revêtir les célestes et les spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47 à 49. Que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens 15, 47 à 49. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Les célestes. Tels sont aussi les célestes. Les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Amen. Ici nous découvrons qu'avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous n'étions pas spirituels. Nous étions animal. Nous étions des terrestres. Nous portions l'image du terrestre. C'est-à-dire quoi? Nous étions fils d'Adam. C'est pourquoi la malédiction que Dieu avait prononcée dans le jardin d'Éden sur l'homme, personne, je vous dis, d'entre nous ne pouvait échapper à cela. Personne. Genèse 3, 17 à 19. Que dit la parole de Dieu? Sois rapide, papa. Genèse 3, 17 à 19. Oui. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, oui, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, oui, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre poussière. Où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dans la poussière. Et nous étions privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous sommes en Jésus-Christ comme aujourd'hui, nous sommes spirituels. Nous sommes célestes. Nous portons l'image du céleste. C'est pourquoi il est écrit, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Ici je saute, tu peux écrire ça. Psaume 82 verset 6 à 7. Ici Dieu lui-même regrette l'homme. Il regrette l'homme. Que dit la parole de Dieu? Psaume 82, 6 à 7. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Imaginez-vous. Tu peux t'arrêter là. Dans cette dimension, nous sommes des dieux. Et nous devons opérer dans le surnaturel. Premièrement, le spirituel engage le surnaturel. C'est-à-dire, l'homme spirituel porte en lui le céleste. C'est-à-dire, il engage et manifeste le ciel sur la terre. Il révèle à la face du monde les choses qui sont cachées à la face des hommes.
C'est pourquoi la Bible dit, car la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Que Dieu te fasse grâce. Unayua, siku moya, un jour, Mungu anasema, kupitia Moïse, anasema taifa, bakuye nizungumuze nao, vile banapenda, vile bo banapenda. Biblia nasema, bote mbele ya mulima, bengine beko nasikia sauti, bengine beko nasikia toner, ne sois pas parmi, bale batasikia toner, kuya katikati, ya bale batasikia sauti. Que le Saint-Esprit te fasse grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tel il est. Ville écho. Tel nous sommes. Ville tout copie. Tel qu'il est au ciel. Ville beaucoup l'embing. Tel que nous devons être dans ce monde. Ville tout pas chaque année à y tenir. Et dans Jean, chapitre 12, verset 26. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Neno la mungu na sema nini? Et là où je suis, tu peux passer. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je suis, là où sera aussi mon serviteur. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de blocage. Au ciel, il n'y a pas la souffrance. Au ciel, au ciel, au ciel, il n'y a pas ce que tu vis là. Il n'y a pas au ciel. Comme il n'y a pas au ciel, tu n'as pas droit de vivre ce que tu vis là. Merci Saint-Esprit. Deuxième dimension de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 4, verset 1 à 15. Aidez-moi que je termine. Allons-y, papa. Va vite. Luc 4, 1 à 15. Luc 4, 1 à 15. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Oui. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Toute cette puissance. C'est le diable qui dit, je te le donnerai. Qui lui a confié? Afin qu'il lui donne lui. Allons-y. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. À un moment favorable. Amen. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, dans son amour pour nous, comme tout Père, il désire et souhaite voir ses enfants grandir. Comme tu es là, il veut que tu puisses grandir et croître jusqu'à atteindre la maturité, c'est-à-dire devenir mûr. Ça, c'est le souhait de Dieu. Ne reste pas statique, tu dois avancer. Les enfants pour un père sont comme les fruits pour un arbre. Un fruit mature est différent d'un fruit mûr. Le fruit mature, il est vert à l'extérieur, un peu jaunâtre à l'intérieur.
Dani. Ça c'est le fruit mûr. Initunda ile naivia. Tandis que c'est ce qui est mûr. Lakini ile naivia. Même les couleurs ou la couleur extérieure change, ça devient jaune. À l'intérieur, il y a du jus et il est sucré. Ça, c'est comme la mangue. Comme il y a cuivia, ça c'est mûr. Mais comme il y a un bainge, il c'est mûr maintenant. Ne reste pas à ce niveau. Amen. Amen. C'est ainsi que est représenté les deux dimensions de Jésus-Christ. Avant le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, dans les eaux de Jourdain, c'est-à-dire de zéro à 30 ans, il était 100% homme. De zéro jusqu'à 30 ans, il était 100% homme. La dimension du Christ, à toi et à Christ, en Jésus-Christ, a commencé dans les eaux des Jourdains. Quand le Saint-Esprit est descendu dans sa vie. Selon le texte que nous avons lu de Luc 4, nous voyons que la première dimension du Christ commence par être rempli du Saint-Esprit. Ici, je vais te révéler quelque chose. C'est ici que commence la vie spirituelle de l'homme. Le surnaturel et le céleste. À ce niveau, l'homme ne vit plus selon lui. L'homme ne vit plus selon la chair. Léo Moumakanissa, Bamingi Bekonengia, tout qu'on a ma frère Mwili, tout qu'on a ma soeur Mwili, Banekala Moumakanissa, ils ne comprennent rien. Kisha Mananza Koutou créer ma problème. Dalia Kanissa, pourquoi? Ils sont charnels. L'église n'est pas un endroit de charnel. Un charnel n'entrera pas au ciel. Un charnel, c'est un instrument entre les mains du diable, mais en étant dans l'église. Tous les problèmes que nous avons dans l'église, ce sont les charnels. Vous voyez le diable. S'il veut frapper en ce lieu. S'il veut combattre cette église. Atengia. Il va entrer. Atatafuta ba charnel. Il va chercher les charnels ici. Parce que bon, oui, l'injou na tumika. Parce que eux, c'est la chair qui fonctionne. Ni yama action réaction. Ce sont des gens des actions réaction. On attend dans anafanya kisha na tafuta mapenzi ya Mungu après. Il pose un acte et cherche la volonté de Dieu. Mungu ana wa kwanza muyake maisha. Il n'est pas en première position dans sa vie. Nous avons besoin de spirituel dans l'église. À ce niveau, l'homme appartient à Dieu. L'homme appartient à Dieu. Car Dieu est esprit. Amen. Amen. Notez bien. Ici, l'homme n'a pas besoin de témoignages des gens de ce monde, mais le témoignage de Dieu. Que dit Romains chapitre 8, verset 16? Romains 8, 16. Napenda kukubeba. J'aimerais te prendre. Ni kuingisha mububungu. Et te faire entrer dans la divinité. Ata kama iwe kuwezekana. Même si c'est possible. Niko na kuingisha mububungu. Je te fais entrer dans la divinité. Que dit la parole? Neno nasema nini? Romains 8, 16. Verset. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes que enfants nous de Dieu. Ça suffit. L'esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'esprit est un enfant de Dieu.
de Dieu. Je vais te donner un secret. N'entre pas sous le feu de la chaleur. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, ne sois pas d'abord pressé. Assis-toi. Parole intérieure. Écoute la parole intérieure. Elle dit quoi? Si elle te condamne, ne prie pas. Et une fois que tu pries, tout ce que tu feras, ça sera juste la chaleur. C'est pourquoi nous devons nous fider des paroles qui nous condamnent. Il est mis en boyote. Il qu'on a condamné Ndal. On n'a pas à coup de vider Ndal. Comme il a quoi ça? C'est alors que Ndal Yako, tu vas sentir les paroles de Dieu. Les hommes sont toujours rapides, pressés. On a tout à coup fait comme un nini. On a un combat mal à moya. Mais il est saouti Ndal. Tu ne l'écoutes pas. Est-ce que je peux avancer? Et tu n'as pas délai. Que Dieu me fasse grâce. Mungu atufanye neema. Que Dieu m'aide. Mungu anisaidie. Amen. Amen. Ici, apa. Il n'est pas conduit par les émotions. Na maisia. Nous avons les chrétiens d'émotion et les sentiments, ni par le temps et les circonstances, mais par le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Dieu nous remplit du Saint-Esprit pour nous donner la capacité pour surmonter trois tentations du diable dans l'homme ou dans la vie de l'homme. Première dimension ou première tentation, nous avons les manger. Suis-moi bien, peuple de Dieu. Nous avons les manger. Deuxième tentation, la séduction des richesses et des biens de ce monde. Imaginez-vous, hier son âme a prié. Il y a 40 jours, Satan a dit que ne lui était pas apparu. Si qu'il y a mouiche. Le dernier jour, les écritures disent il a eu faim. Wakati anashikia njala. Njo pale shetani anakuja. Kama bia kweli. Uko mtoto wa Mungu. Beba hii maibwe. Geuza mumukate. Usikashikie njala mu maisha yako. N'aie jamais faim dans ta vie. Amen. Kama unaanza njala ya maisha. Si tu commences avec yua ya kwamba shetani asina mbari. Satan n'est plus loin de toi. Ndugu yangu. Mes frères. Abraham a kimbia. Abraham a fui. Anenda mo Egypte. Il est parti en Egypte. Tu y anjala. À cause de la famine. Bangapi. Combien? Bana signé pacte na Shetani. On signé le pacte. Tu y anjala. À cause de la bana famine. Bana tokeleya. Et ils sont venus. Occultistes. Bas satanistes. Sataniste. Tu y akutafuta maisha. Parce qu'ils cherchent la vie. Ça c'est pas pour nous les enfants de Dieu. Si watoto wa Mungu. Je vous dis vrai. Na miambia ukweli. Que dit Philippiens? Chapitre 3, verset 19. Je veux arriver et nous allons prier. Que dit la parole? Philippiens 3, 19. Et 1 Corinthiens 6, 13. Allons-y, papa, allons-y. Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition. Oui. Ils ont pour Dieu leur ventre. Leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ne pensent qu'aux choses de la terre. Ne servons pas Dieu ibi. À cause de Dieu Jala. Kama juu ya njala. Si c'est pour la fin. Atuna na bati. Nous n'avons pas ya kuona Mungu. De voir Dieu. Banduku yangu acha niseme. C'est tout comme une génération. Nous sommes dans la génération bantu, de ces gens-là. Tout comme kanisa. Nous sommes dans l'église. Na njala. Avec la fin. Na zawadi. Mais avec le don. Nanjala, mais na zawad, avec le don. Minengia bukanisha, je suis entré dans mina kuta ba prophète. J'ai trouvé des mangu wa kupasuka. Mais banechikia ile maisha. Ils ont accepté cette aba tafute na zawadi. Banechikia. Kuteswa vile Mungu anapenda. On a yua. Savez. Moi, mambo hii. En cette affaire, ababrila ke tap. On ne brille pas des étapes. Akuno todidaxi moi mambo. Akuna mambo kuluka masule.
Si tu veux devenir comme moi, tu vas toucher au fétiche. Car il y a une coupe. Il est né de kunwa. Je sais pas si toi tu l'as. Aïkuku est facile. Il est quoi butchungo? Mais résultat, il y a patience, la persévérance, la sacrifice. Prends ça. N'oublie jamais ça. On peut avoir un don puissant, mais on peut dormir enfamé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ici, je vais dire ceci. Est-ce que quelqu'un me suit? J'étais toujours dérangé quand je vois les gens sortent pendant la parole. Vous savez, les œuvres, c'est Jésus. Les œuvres, c'est Jésus-Christ. Si nous négligeons Jésus-Christ, nous prenons les œuvres, nous risquons beaucoup. À tout atteindre à mes fous, nous ne serons pas différents des devins. Je réfléchissais. Au nom de ma tabire, vous voyez la prophétie. Un devin peut aussi le faire. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez regarder comme ça. À un moment, ça te complique. On assume dans ta discernement. Tu échoues même le discernement. C'est pourquoi je t'ai dit, je ne sais pas hier, que ma grâce, il peut fonctionner. Mais il est tout qu'on a besoin de ça. C'est nous avons ni caractère. C'est le caractère. Il est qu'on accompagne les grâces. Et ceux qui gardent la grâce, c'est le caractère. C'est pourquoi beaucoup ont perdu leur grâce à cause des caractères. Faites attention avec ça. Alors, nous avons d'abord besoin de la parole, après les œuvres. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Donc, de la même manière comme dans le jardin d'Eden, le diable a tenté Ève. Et Ève a vu que le fruit était bon à manger. Et elle en a mangé. Deuxième tentation, c'est la séduction des richesses et des biens de ce monde. C'est ce que le serpent a présenté à Jésus-Christ comme étant la puissance et la gloire des nations. Et dans le jardin d'Eden, Ève a vu que le fruit était agréable à la vue. Ici, nous devons, en tant que enfants de Dieu, nous ne devons pas être attirés par les soucis de posséder les biens de ce monde. Non. Papa, lis-moi. Baba, mon sommeil. Proverbe. Mesali. Chapitre 23. Verset 5. Mustari atano. Toi qui écris, prends. Woku nanjika chupa. Proverbe 27. Mesali 27. Verset 24. Mustari 24. Proverbe. Mesali 22. 22. Verset 4. Mustari 4. Que dit la parole de Dieu? Neno la Mungu nasema nini? 23, 5. Va vite. Proverbe 23, 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Imaginez-vous. Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Amen. Donc, la richesse peut disparaître. Selon Proverbe. Proverbe 23 et 27 plutôt. Verset 24. Proverbe 27. Mesali jirina saba. Ingia muketo yaro. Dans la profondeur de l'esprit. Ou comprendre ma fondation. Que tu comprennes ces enseignements. Proverbe 27. Mesali 24. Jirina saba, paka jirina. Car la richesse ne dure pas toujours. Aïe, la richesse. Ni une couronne éternellement. 22:4. Proverbe 22:4. Mesali jirina mbili msalane. 22:4. Le fruit de l'humilité. Proverbe 22:4, oui. Le fruit de l'humilité, oui. De la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ok.
Est-ce que quelqu'un a compris? Nous ne disons pas que la richesse et les biens sont sataniques. Non. Mais nous devons en avoir et en jouir. Mais nous ne devons pas être attirés par ces choses. N'est-ce pas? C'est ce qui nous tue. Même dans le corps des serviteurs, ça nous fait souffrir. N'oublions pas que ce sont les moyens que le diable se sert pour captiver beaucoup de gens, les richesses et les biens. Mais pour nous, enfants de Dieu, la Bible nous révèle que le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la vie, c'est la richesse, c'est la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? La crainte de l'Éternel se reconnaît par l'humilité. Gloire à Jésus. Troisième tentation, c'est l'adoration de Satan. Or, adorer, c'est aimer à l'extrême Satan. Nous avons trois ennemis à combattre. Si nous avons, sans la plénitude du Saint-Esprit, tu ne peux pas les vaincre. Trois ennemis. Premier ennemi, c'est la chair. Deuxième ennemi, c'est le monde. C'est le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Troisième ennemi, c'est Satan. C'est à ce niveau que le pentecôtisme s'est arrêté. Ici, je vais te faire monter. Car on est rempli du Saint-Esprit. On peut parler à langue. On peut prophétiser. Ça, c'est un niveau. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ. Il est passé par les eaux de Jourdain. Ni à toi yakuchazwa. À toi yakusemaruga. À toi yakutabiri. Il y a aussi plus que ça. Ne nous limitons pas à ce niveau congolais. Ne nous limitons pas à ce niveau ministère des générations Joël. Ne nous limitons pas à ce niveau de prophétiser, d'être rempli. Allons au-delà. Parce qu'au-delà, il y a le revêtement de la puissance d'en haut. Gloire au Seigneur. Donnez-moi Luc, chapitre 4, versets 14 à 15. C'est pourquoi je t'ai dit, Jésus, dans la chair, il est venu pour nous enseigner, pour nous montrer la voie. Que dit la parole de Dieu? Je vais terminer. Allons-y. Luc 4, 14 à 15. 14 et 15e. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Allons-y. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans sa renommée s'est répandue. Nous avons besoin de revêtements. Jésus était 100% Dieu. Il pouvait ou ne pas passer par là. Il n'avait même pas besoin de ça. Parce qu'il était Dieu. Il avait le pouvoir au ciel, sur la terre et sous la terre. Il avait le pouvoir. Même à l'âge de 12 ans, il pouvait faire des choses. Mais il a accepté de passer par Jourdain au travers de Jean-Baptiste. Là, c'est le niveau d'être rempli. D'être rempli. Vous savez, Moutou anaweza kujazwa. Personne peut être rempli. Qui s'akujazwa? Et après avoir elle est morte. Turiona bantu. Nous avons vu Mukitanda ya magonjwa. Anajazwa. Anajazwa tena. Qui s'anakata ro. Et après il a expiré. Mais faites attention avec les revêtements. Ça, c'est le royaume de Dieu dans l'homme, dans la vie de l'homme. Aïe, 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 aïe.
Oh, si je ne sais pas si l'église elle est en train de me comprendre. Ça ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ici, on accède à la dimension des œuvres de puissance. C'est par ici. Les œuvres de puissance, c'est par ici. Les œuvres de puissance, c'est par ici. Les œuvres de puissance, c'est par ici. Ici, on n'a pas affaire aux tentations, ni aux ennemis. Mais Dieu vous amène à la dimension de la de détruire les œuvres du diable. C'est à ce niveau, les revêtements. Oui. Oui. Nana na kwambia kila siku chaque jour waza kusunguruka mabalabala tu commences à marcher ingia mpori utifungie tafuta Mungu. Vous savez, à ce niveau, l'homme oublie même sa vie, même quand il souffre. C'est pourquoi l'église est faible. Tu as nini? Tant que tu es là, n'a souci à siècle présent. Il y a Maïsha. Écoutez, je te donne un secret. Nous sommes dans un monde. De qui père garde. Si tu es fils de père, tu ne vas pas gagner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu lis avec ta vie, l'homme peut oublier sa souffrance. Ce niveau, c'est un niveau de sacrifice de la chambre haute. Ma chambre haute, tu as maïssa, tu as mateso. On nous lise mille. Posez-moi la question. Je te dirai où je suis venu. Hey, prends ça. Tu crois où? L'homme devient puissant par rapport au sujet de prière. Si les sujets de prière sont terrestres, tu ne seras jamais puissant. Si les sujets de prière sont célestes, tu seras puissant. Or, l'église d'aujourd'hui, elle a besoin de biens, de matériel. C'est pourquoi vous allez voir les chrétiens. Attaque Moulima, Moumou Nibariki, Moumou Nibariki, Unayu Baraka, ni conséquence tout, ni conséquence tout, ni matabishi. Yahile Moumou qu'on a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut traduire l'église. Pourquoi? Parce que dans l'église, il n'y a pas de revêtement. Les gens entrent dans les églises. La puissance que nous cherchons. Il a son objectif. Et c'est pas pour jouer avec que la puissance de Dieu pour faire quoi si toi-même tu comprends absolument rien tu feras quoi avec. Ça c'est pour les visionnaires. Il y a pas les banakwa qui font bintu fulani mu dunia. Ils sont venus accomplir certaines choses dans ce monde. Est-ce que mtu mwanezi na saidia tu kumuchapia ta Yesu mikono. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à kumuchapia kwa ta Yesu mikono. Écoutez, au niveau des revêtements, vous devenez un char de l'Éternel et sa cavalerie. Au niveau des revêtements, tu deviens le char et la cavalerie. C'est pourquoi Wakati Eli est qu'on a bande. Nada de m'fundish Elise. Yakusema ouye qu'on a bande. Misha. C'est-à-dire quoi? Un instrument de guerre. Un instrument de guerre. Un instrument de guerre. L'église ne me comprend pas. Je parle d'un instrument de guerre. Tu accèdes dans le royaume de Dieu. Pas
en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est au niveau des revêtements. Sois revêtu. Je dis, sois revêtu. Sois revêtu. Vous savez, dans cette dimension, tu deviens un marteau, un instrument de guerre dans les mains de Dieu. À ce niveau, ou qui fait un ta geste, lorsque tu poses un geste, bingwe na tibiza, et le ciel accompli, ou qui saute à ta kilole, si tu dois te bingwe na tibiza, et le ciel accompli, ou na fika moi toi, tu ne parles pas, mais Dieu exauce tes pensées, la bouche ne s'ouvre pas, mais Dieu exauce tes pensées. Ce que je dis se trouve dans la Bible. 1 Corinthiens. C'est par ici que je termine. 1 Corinthiens. Chapitre 4, 20. On va prier. Demain, je ne serai pas long. Je vais mettre beaucoup de temps. Moi, je vais faire le service. Peut-être on ne va pas prier. C'est vrai. En ces lieux, il y a Dieu. Depuis que j'ai piétiné en ces lieux, je sens cela. Je ne le dis pas pour te plaire. Il y a d'autres endroits où vous partez. Commencez à prier. Que le royaume descende. Que le royaume descende. Mais en ces lieux, le ciel est là déjà. C'est vrai. Que dit la parole? La parole dit ceci. Oui. Car le royaume de Dieu ne consiste, pas en parole, mais en puissance. En puissance, oui. Que dit Jérémie 51, 20 à 23? Que dit Jérémie? Jérémie 51, 20 à 23. Jérémie 51, 20 à 23. Tu as été pour moi un marteau. Tu as été pour moi un marteau. Sando. Un instrument de guerre. Un instrument de guerre. Ça, c'est pour les revêtus. Ça, c'est pour les revêtus. C'est pourquoi. Nous avons beaucoup de slogans dans des églises. Mais ils ont les sans effet. Tu y as nini. Pourquoi? La puissance. Shikeli Kwambi. Écoute-moi te dire. Papa, tu peux t'arrêter là. Ils vont continuer. Shikeli Kwambi. Écoute-moi te dire. Si tu n'es pas spirituel, les choses de l'esprit ne te concernent pas. Même le combat spirituel ne te concerne pas. Parce que le combat spirituel, c'est pour les spirituels. Amen. Amen. Pour atteindre cette dimension des revêtements, il nous faut non seulement être rempli du Saint-Esprit, mais une vie de consécration dans des jeûnes et prières multiples. Il faut avoir une vie de sacrifice. D'abord Dieu, ma vie après. Minaïsha, je termine. Minaïsha, je termine. Minaïsha, je termine. Merci Jésus. La santé Jésus. Est-ce que quelqu'un peut balancer la main? Pepe. Balance la main. Arrête d'abord, s'il vous plaît. Arrête d'abord. Katakwanza. Soucha kwanza mukol. Baisse la main. Apa. Ici. Il fâche à Bantu Bakiro. C'est un endroit des hommes spirituels. Il fâche. Et ces lieux. Ne sois pas charnel en ce moment. Shikuye wa kimwili wakati. C'est un endroit. Ni fâche. Des hommes surnaturels. C'est-à-dire les hommes capables de commander la nature. Ce sont les commandants capables de changer les choses.
Ici, c'est un endroit des hommes puissants. C'est pourquoi Psaume dit, je t'ordonne, je t'ordonne que tu sois puissant. Ce monde ici, si tu n'es pas puissant, les puissants vont manipuler ta vie. C'est pourquoi, oui, action. Comme une Aïcha, va se manipuler ta vie. Ne sois pas quelqu'un qui va continuer à subir jusqu'à la mort. Je dis non. Change ta façon de voir les choses. Il y a certaines choses. Le ciel n'y est pas. Si tu demandes à Dieu, il va te dire que je n'en ai pas. Je sais que tu as donné ça. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne reste pas comme des orphelins. Amuna bofele moi. N'êtes pas des orphelins. Rome saïdis. Allez chakusuka. Écoutez peuple de Dieu. Mon Ancien Testament. On ne pouvait pas parler de Jésus-Christ. Abraham n'a pas connu ce nom-là de Jésus-Christ. Il n'a pas utilisé ça. Élie, malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas utilisé les noms de Jésus-Christ. Moïse Moussa n'a pas utilisé le nom de Jésus-Christ. C'est seulement Nipaka notre génération. Iwakati yetu. Il a reçu le nom China, au-dessus inakua yulu, de tout nom. Yamanjina yote. Et au nom de Jésus, Yesu, tout genou yote, doit fléchir inama, sur la terre. Patunia, sous la terre. Le nom, China, tout nom China yote, doit fléchir. Moïse, Moussa, il va quand tu as regretté. Pendant ce temps, il va vraiment regretter. Comme Moïse, si moi Moïse, ni de quoi mon Nouveau Testament, si pouvait exister dans le Nouveau Testament, ni de quoi mon Nouveau Testament, faire des grandes choses. Abakutumi et les djina, ils n'ont pas utilisé. Et puis vous allez voir, en ce temps-là, ils avaient aussi la révélation. Dieu qui envoie Moïse, Moïse demande à Dieu, wakati mita fika mbele Pharaon, lorsque je vais arriver devant Pharaon, taulisa tasema nani ananito. Anatosa jina moi. Il a donné un nom. Aïe Kouya qui n'a jamais existé. Mon nom est Jésus. Jina yangu Nico. Jacob. Jacob. Anapikana na malaika. Il a lutté avec l'ange. Et qu'on a tafuta paka. A train de chercher Ayue jina. Qu'il puisse connaître le Mungu nom. Mungu anamwangalia. Je lui ai regardé. Il jina. Ce nom. Aïe na iwakati. C'est pas pendant kuko ce génération moi. Il y a une génération. Atatumikaka na iyi jina. Jina la Yesu Christ wa Nazareth. Oh, de Jésus Christ de Nazareth. Il va dire à Jacob. Mon nom est merveilleux. Il va cacher son nom. Et nous qui avons le nom de Jésus, qu'est-ce que nous faisons? Bah Josué, les Josué, bah les Simami Shayua, ils ont arrêté le soleil. Bah Moïse, bah les passous la mer rouge. Ils ont frayé la mer rouge. Chez na Yesu Christ. Nous avec Jésus Christ. Tu kunaria paka maisha. Nous pleurons toujours pour tu kunaria paka maisha. Nous pleurons toujours pour la vie. Même les diables. Diabolo, même les sorciers. Nous profitent. Kupitia ma ignorance yetu. Avec notre ignorance. Est-ce que tu mérites ce que tu vis là? Et tu n'as taille depuis le kunaishi pas. Jésus à la croix. Yesu kumusalaba. Il avait dit Arisema, que Père, Baba, tout est accompli. Yote meti. Il n'a rien oublié. Kusabu kintu. En ce qui concerne ta vie. Il est relégué à maisha yako. Mon position yuko. Dans la position où tu es. Funga macho. Ferme tes yeux. Nicolas Ona. Je vois. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On est scoupika me kuku ya harmonie. Mais qu'il y ait de l'harmonie avec ce il y a un spectacle à part. Ça, c'est pas un spectacle, non. Ah ah. Non. Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas. Il y en a d'autres. Il faut Baba Pelek. Il faudrait qu'on les amène jusqu'à dans leur maison. Depuis Nicola Sema. Depuis que je suis en train de Nicola parler. Ona. Je suis en train de voir. Quelques visionnaires. Au milieu de nous ici. Oza. C'est là qu'ils sont venus faire quelque chose dans ce impacter monde. Itulia. Impacter ce monde. Je suis en train de les voir. Michina na droit. Je n'ai pas droit. Yakuba weka mukono yula kichwa. Parce que mina ona pembeni yabo. Parce que je vois à côté de. Kuko ba malaika ba Mungu. Il y a les anges. Na kikombe. Avec une coupe. Na mafuta ndani. Avec l'onction.
Ma serviteur, Batani Saïdia. Les serviteurs vont m'aider. Michipen de Buntu Kwanguka Boba Yapa. Je ne veux pas que quelqu'un tombe très mal ici. Où ça? Même celles qui sont assises. Dans la position où tu es. Il y a un signe qui s'opère. Il y a des gens qui seront touchés. Jusque là, je suis en train de voir. 1 à 10. Mais je vois les ombres en train de venir. Là où tu es. C'est l'ange qui t'a placé. Pour que le signe qu'il est en train de faire. Il fait que mon yasso. Je vois les gens être touchés fortement. Kuswa kwa nguvu. Touché fortement. Naona wa kwanza. Je vois le premier. Naona wa pili. Naona wa tatu. Naona wa nne. Naona wa tano. Naona wa sita. Naona mnane. Naona wa kumi. Kumi na moja. Kumi na mbili. Kumi na tatu. Kumi na nne. Kumi na tano. Kumi na sita. Merci Jésus. Iko naendelea. Iko naendelea. Ça continue. Ça continue. Alléluia. Il connaît Téléa. Ça continue. Au ça. Alléluia. Yes. Dieu. Kata kwanza musique s'il vous plaît. D'abord avec la musique. On est remis encore. Excusez-moi. Koko ba frère ba wili kule comme Congo. Il y a deux frères là au fond. Bale ba frère ba wili kule comme Congo. Deux frères là au fond. Bata guswa kwa nguvu ça. Ils seront touchés fortement. Et nous paco. Et cette onction. Nous paco. C'est une onction. Nicolas Ona. Je suis en train de voir. Ma pilier et ma famille. Les piliers des familles. Katikati yetu hapa. Au milieu de nous ici. Mais qu'on a pas caliwa mafuta. Nicolas Ona. Je suis en train de voir. Batumishi banguvu katikati yetu. Mais qu'on a pas caliwa mafuta. Nicolas Ona. Je suis en train de voir. Bantu ba nehema. Les gens qui ont la grâce. Pas caliwa mafuta. Il y a quelqu'un que je suis en train de chercher. Dieu, montre-le-moi. J'aimerais le voir. Touche-le là où il est. Touche-le encore. Touche-le. Touche-le là où il est. Touche-le. 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 Au nom de Jésus Christ. Kuko frère moi. Il y a un frère. Niko na chunga. Que j'attends. Inawezekana. C'est possible. Akuya tai nje kule. Qu'il soit même à l'extérieur. Inawezekana. C'est possible. Parce que niko na mwangaza. Je suis en train de voir. Kule kumukongo kule. Là au fond. Kule kumukongo. Là au fond. Inawezekana. C'est possible. Atai nje kule. Même à l'extérieur. Niko naona mkono ya Mungu. Voilà maître Dieu. Iko na tafuta. En train de chercher. David moya. David. David moya. David. Samuel na kuya kutafuta David huyu frère bingu iko na busukia paleko là où il est paleko là où il est ni mtu munene c'est une grande muliwingo dans l'univers ya kiro spirituel ni mtu wa ni mtu munene c'est un grand homme huyu frère bataniletea naye ce frère on va me la porter bataniletea naye on va me la porter ici bataniletea naye on va me la porter ici bataniletea naye on va me la porter ici merci Jésus à santé Jésus. Merci Jésus. À santé Jésus. Merci Jésus. À santé Jésus. Kata kwanza musique. Kata kwanza. Arrêtez d'abord avec la musique. Kuko muntu moya apa. Il y a quelqu'un ici. Alikuwa na neema ya nguvu. Et il avait une forte grâce. Ya mandoto. Des songes. Inema. Et cette grâce. Inesha kufungwa. C'est déjà bloqué. Or muinema ya ndoto. Dans ces grâces de songe. Iranza kwenda naye mbari. Ça l'amenait très loin. Minaona. Je vois. Alama ya Mungu. Le signe de Dieu. Kumusukia au mtu. Descendre sur la personne. Ni bien quoi. C'est vrai. Atai. Atata. Wa majeseyo. Ukola. Ukola. Tumwetu. Wana. Let's go.
Laisse que l'esprit te traverse. Laisse que l'esprit te traverse. Assieds-toi là où tu es. Una vez aplicada la face micro. Commence à dire merci à Dieu. Azakse maxan tu vas voir. Merci à Dieu là. C'est ma santi kwa Mungu. Commence à dire merci à Dieu. Anza kumpikia Mungu asante. Dis-lui merci pour ce qui se passe. C'est ma bwana asante kwa hii kunafanyika hapa. Merci. Asante bwana. Merci pour cette dimension. Asante kwa hii atua. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu Christo. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bwana apewe sifa. Que le Seigneur soit béni. Bwana apewe sifa. Libérez sa vie. Et c'est là. On a ouvert sa couche. Soit totalement libéré. Que sa vie soit totalement libérée. Que sa vie soit totalement libérée. Que sa vie soit totalement libérée. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, le roi de moi. Chagrier, bon, je sens une forte atmosphère. Nasiki angawewa ya nguvu sana. Je sens une forte atmosphère. Angawewa ya uwezo ya nguvu sana. Ce lieu, c'est un lieu des hommes et des femmes spirituels. Des hommes célestes qui regardent à ce qui est céleste, qui voient les choses célestes, qui ne sont pas dans le physique, dans le charnel. Non. Je désire na penda que réellement akika tu accèdes
ufike mwile atua a ce niveau ya ila atua ya bintu ya kiroho